Choose your character! Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode sur Dishonored 2. Alors la dernière fois on s'était infiltré chez le Duc Abel pour essayer de retrouver l'âme de Delilah pour lui voler son âme. Et du coup on s'est infiltré, on a massacré un soldat mécanique, voilà, je cherchais le pot. Et voilà, alors je vais dire le résumé en bas à gauche, ce sera plus simple. Avide et corrompu, le duc Lucas Abel règne sur Cerkonos et a orchestré le coup d'état perpétré à votre rencontre et aussi à l'encontre de ma petite Émilie. Ah, elle est pas petite, je sais, je suis un papa poulet alors. Entrez dans le grand palais pour trouver et éliminer le duc qui emploie une doublure pour se protéger des assassins. Assassins ? Des Templiers. Vous devez également localiser l'esprit de Delilah, le seul moyen de mettre un terme à son immortalité. Alors, il faut identifier la double de Duc Abel, qui apparemment fume. C'est le seul qui fume, parce qu'apparemment j'aurais cru que ce connard duc fumerait, mais lui non. Du coup, il y a le coffre normalement qui se trouve. Est-ce que je peux aller jusque... Ah non, je peux pas jusque là. Attendez, on va essayer d'aller là. Apparemment, si je peux aller par là. Est-ce que vous croyez que c'est chaud? En faisant un double saut à Mario. Alors, attendez. Déjà, j'ai entendu. Voilà, là, il y a un petit pylône foudroyant. Hein. Pas piquer des hannetons. Et là, il y a le coffre. Oh, je peux. Genre, je peux passer à travers. Je peux passer à travers. Ce message indique que la machine est en train de recharger la bobine magnétique. D'accord, il y a un soldat mécanique encore ici. Du coup, oui, il y a le coffre, mais apparemment je peux traverser. C'est pas logique. Alors attendez. Oh, attends, je tente. Attends, c'est bien pour couper l'électricité ici. Bon, vas-y, je tente. Voyons un peu ce. J'ai tenté. C'était un fail maîtrisé, on va-t-on dire. Alors je vais tenter ici parce que c'est là en fait, c'est là. Il a huile de baleine. Un peu ce que le duc Abel cache ici. Voilà. J'ai pété, en fait, j'ai pété la vitre. D'accord. J'ai pété la vitre. Bon, en tout cas, le coffre est là. Et on va balancer ça au-dessus. Mais non. Bon, voilà. Moi, je suis cassé la gueule. Bon, au moins, vous aurez vu le coffre. Ok. Mais comment j'ai fait mon compte? J'ai glissé, chef, encore. Je glisse trop dans ce jeu, quand même. Je trouve que Corvo, il devrait faire gaffe à ses chaussures parce qu'il doit avoir des en dessous de ses semelles, il doit avoir une huile bien grasse qui le fait glisser. Bon, voici le coffre où apparemment il détient l'âme de Delilah. Et oh, tiens, bah, c'était le truc du socle mécanique, la petite plaque. Bah, vas-y, j'apprends. Et du coup, bon, on va essayer de trouver déjà la doublure du Duc Abel parce qu'avant de prendre l'âme de Delilah, eh ben, je vais essayer de trouver quand même la doublure. Et alors, je sais pas si. Oh, il y a des gens là. Et je sais pas si le Duc Abel, enfin la doublure du Duc Abel est toujours au même endroit ou pas. Parce que en fait, s'il est toujours au même endroit, ça c'est un peu con parce que d'habitude le jeu il aime bien se. Je vous invite à jouer aux cartes plus tard. Il aime bien se. À chaque fois rechanger les positions des gens. Personne ne me dit non. Pas si on veut être payé. Bien sûr. Quelle idée splendide. Il y a des gens qui parlent en dessous, okay. On s'en bat les steaks pour le moment. Pour le moment on fait juste gaffe. Alors là, il y a personne pour le moment ici. Des troubles dans ce quartier. Franchement, coucou, il y a quelqu'un. Ah mais il y a un monsieur. Ah oui, d'accord. Heureusement que j'ai fait coucou, il y a quelqu'un quand même. Bon, on va lui faire un petit bisou. Allez, un petit bisou. Voilà. Au dodo. Possible de trouver du personnel de qualité. C'est possible. Oui, je l'ai réussi à le mettre en haut. Magnifique. Mais mon dos est si fragile. Hop là. En tout cas, il y en a un demi de chaos, c'est bon, c'est parfait. Ça c'est à moi. À moi. Ou ça aussi c'est à moi. Ouh, ça c'est à moi aussi. Les grosses pièces pour ma grosse boubourse. Bon, ça c'est un câble de. Ouais, j'en ai pas besoin. Parce que de toute façon, j'utilise très peu les câbles. Oula, oh, il y a une demoiselle là. Je crois que je vais exploser. Bon, excusez-moi, mademoiselle, mais vous êtes. Vous allez un petit peu m'embêter. Je m'excuse d'avance, mademoiselle, mais.
comment vous dire que vous m'en mettez un tout petit poil. Je vais vous mettre. Bah, je vais vous mettre. Je devrais peut-être engager un garde du corps. Je ne me sens plus en sécurité. Mais tiens, mais ça bavoue, ça bavoue en bas. Hein. Putain, ça se voit que c'est des nobles. Hein. Ils ont rien que ça à foutre que de parler et de bouffer, quoi. Oh, ça c'est un truc occulte, ça. T'as pas un petit mot, Corvo, sur ça? Non, y a pas un petit mot. Des épices? Ou des colorants pour les tableaux? Ah! Il y a une demoiselle encore. Il y a beaucoup. En même temps, tu me dis, t'as jeté chez du Cabel. Hein. Il a dû avoir beaucoup de servantes. Excusez-moi, mademoiselle. Je vais vous faire prendre un bain. Parce que moi, je suis gentil. Voilà. Excusez-moi, je sais que vous faites que votre boulot, mais bon. Au moins, vous êtes à l'abri, là. Recroquevillé sur elle. Oh, un petit charme d'os. Hop, c'est pour moi. Alors, os de pierre. Tiens, voyons voir ce que c'est que ce truc-là. Os de pierre. Excusez-moi, je suis un peu. Des fois, j'aime bien, je suis curieux. Oiseau de proie. Os de pierre. Os de pierre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je suis. Ah. Vous recevez sensiblement moins de dégâts. Votre vitesse au moins est réduite. On s'en bat les couilles. On s'en bat les steaks. Oula, ça tremble. Ça tremble dans ma manette. Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Mais qu'on se parle-t-il? Tu te retrouves dans ce monde cruel avec une poignée d'alliés pour t'épauler. Oui. Bon, tu pourrais me donner des autres infos que ça. Bon, en tout cas, ici, c'est pas intéressant. Mais si, c'est très intéressant ici. Et ça, c'est quoi? Un carreau incendiaire. Ok, bah vas-y, je prends. Ah, le journal de Delilah. Je vous laisse lire. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Après, si vous me dites, on n'a pas envie de lire celle-là de Delilah. On n'a pas envie de lire son journal. Je vous dirais, écoutez, bravo, bienvenue dans le club. À moi. Déjà, on vole tout au Ducamel, hein, parce que de toute façon, on va le rendre pauvre, parce que c'est un connard. Bon, alors du coup, les appartements du Ducamel, c'est un peu plus haut. Ok, d'accord. Je suis un petit peu trompé de chemin, mais en même temps, vous savez, vous me connaissez bien, vous savez que je me perds en 30 secondes dans un petit endroit. Là, il y a un monsieur. Là, il y a des gens. J'ai demandé une nouvelle paire de bottes. Et qu'est-ce qu'on me donne? Une chaussette. Il y a un soldat mécanique qui ne marche pas. D'accord. La machine a accompli une autre série d'injonctions. Ok, alors attendez, parce que là, il y a des. Ok. On va essayer de y aller dans un autre moyen. Est-ce que je pourrais trouver un autre moyen pour aller monter en haut dans les appartements du Cabel? Parce que, alors, normalement, à chaque fois que j'ai fait le jeu, la doublure. Bon, là, je vous spoil un peu, mais bon, vous avez deviné pourquoi je vais sur chez du Cabel. Oula, il y a un monsieur ici. C'est parce qu'à chaque fois, la doublure, elle est dans ses appartements. À chaque fois que j'ai joué au jeu. Alors, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est qu'à chaque fois, le jeu, il essaye de refaire des trucs un petit peu différemment, aléatoirement. Mais là, j'ai l'impression que c'est toujours au même endroit, c'est un peu con. Parce que du coup, quand tu refais le jeu, t'as pas besoin de chercher, tu sais déjà où est la doublure. C'est un peu dommage, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah, c'est fermé l'autre côté, bien évidemment. Merde, comment je rentre ici sans passer par là? Moi, je sais plus, moi, comment je fais. Justement, il y a que la porte pour y aller, quoi. Oh, mais il y a ce monsieur-là déjà. Ah, mais si, là-haut! Attends. Est-ce que mon petit Corvo. Aïe, 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 tu vas pas pouvoir y aller là jusqu'à là-haut. Ah, quoique. Est-ce que c'est possible d'aller ici? Attendez, hop, Oh là, je suis sur l'arbre. Je vais monter sur un arbre. Ça va, madame? Oui, ça va. Elle se porte très bien. Oh. Bah, non, je suis tombé. Ah, j'y suis tombé. Il a pas voulu s'accrocher, pourtant on a bien vu qu'on pouvait aller là. Ah, il glisse. Oh, genre on peut pas y aller quoi, le jeu il dit non mais tu prendras pas ce raccourci, Snake. Non. Y'a pas vraiment moyen de. Allez. Non. Bon, le jeu l'a dit. Tu prendras pas de raccourci. Putain, il me connaît trop fort, il trop bien le jeu, il sait que je prends mes raccourcis. Bah du coup, on va essayer de la jouer filou. On va essayer de la jouer filou. Déjà, il y a ce
petite demoiselle ici. On va monter sur. Il y avait un garde tout à l'heure ici. Ah, il est là. Il y a un garde et une demoiselle. Ok. Il y a un garde et une. Oh, il y a un lampadaire. J'aime bien monter dans le lampadaire. Alors, par contre, il y a ce qui me fait peur, c'est le saut de la mécanique qui, lui, s'il entend un petit bruit ou il y a une petite alerte, il peut s'activer. Et ça, ça va être casse-couille. Alors, excusez-moi, mademoiselle. Je vais faire un petit sur le. Voilà, sur le cucu. Et toi, une grosse patate dans la gueule. C'est bon. Ouf, putain, j'ai entendu un soldat mécanique, j'ai eu peur. Ok, d'accord, c'est bon, ok. Bon, lui, ah oh, bah, ils étaient là les escaliers. Espèce de crétin de Snake. Mais putain, je suis le mec qui s'arrive à se perdre alors qu'il y a des escaliers à côté, quoi. Oh, il y a un alcor pour... Oh, une bouteille chloroforme ici, comme ça, dans le truc. Oh, bah, attendez, je vais la prendre avec moi, on sait jamais, ça peut être intéressant. Putain, j'aurais pu utiliser la bouteille de chloroforme. Alors déjà, on va... Alors déjà, si je casse le truc pour voler ça, il va se réveiller, l'autre. Ah, j'ai récupéré le carreau, ça c'est bien. Attendez, excusez-moi, est-ce que je suis un petit peu feignant? Voilà. Je te mets... En plus, je les mets au coin du feu, comme ça, ils vont pas voir froid cucu. Je suis gentil quand même. J'ai perdu ma bouteille, c'est ça hein. Attends, on va fermer la porte. J'aime bien fermer les portes. Ma bouteille. Ah, alors attendez, ma bouteille. Je vais la mettre sur un endroit que je vais la voir. Je vais la mettre sur cette table. Oh oui, bien posément posé. Et lui, on va le détruire. Voilà, parce que lui, j'ai pas confiance. Voilà, j'ai pas confiance en ce truc. J'ai pas confiance. Bon, j'ai fait venir quelqu'un. Alors du coup, les gens vont arriver. On va se cacher en haut. Je vais peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose. Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils montent? Parce que des fois, je les explique. Des fois, ils y vont. Mais des fois, quand c'est un petit peu trop loin, ils s'arrêtent entre temps et disent non, en fait, c'est bon. Ah, mais il y a un tableau ici. Message en cas de détection confirmée. J'entends un putain de soldat mécanique. Retour en mode inactif. Mais où est-ce qu'il est? Bon. On va sauvegarder. Là, la sauvegarde de la lâcheté parce que je sens que les gardes vont arriver pile pour le moment où je suis en train de fouiller toute la zone. Mais bon. Ah, on voit pas trop ici, il fait noir, mais vaut mieux pas le voir, j'ai l'impression. La machine conclut qu'il n'y a rien d'inhabituel. J'entends, il a l'air d'être près de moi. Mais Ah, une petite mine, parfait. Et ça c'est quoi? Là, oh, c'est du pognon, c'est bon à prendre. Ça c'est un petit bout de soldat mécanique qui a volé jusqu'ici. Oh mais merci le Ducabel. Bon, on voit pas parce que c'est tout jaune, mais il y a des pièces. J'arrive à les voler même quand je les vois pas. Eh oui, ça c'est Snake 53. On va écouter ça. Qui s'est amusé à faire ça? Kirin, monsieur. Il y a des gens. Votre dernière réponse nous a laissé perplexes. Et le duc était tout simplement en furie. La machine est en train de recharger. Il m'a chargé de vous demander. Putain, tout le monde parle en même temps. Précisément. L'une des servantes m'a emmené faire une promenade au parc. On a ramassé de beaux scarabées avec des carapaces vertes qui brillent. Je ne comprends pas, monsieur Jindosh. Avez-vous réussi à collaborer avec Anton Sokolov pour baisser les coûts de production des soldats mécaniques? Il y a une pièce que j'ai manqué. Le duc espère une réduction de 80 à 90%, selon vos propres estimations. Elle m'a permis d'en garder quelques-uns dans un bocal. Je leur ai arraché les pattes. C'est très intéressant. Ah oui, parce que Jindosh est devenu un peu bête. Je vous rappelais que vous êtes inventeur en parce qu'on l'a mis dans la chaise électrique un peu plus. Ce titre vous donne le droit de recevoir tout ce que vous demandez, mais il vous impose aussi un devoir de résultat. Des fois je peux aller sur les tables, mais des fois je peux pas. Attendez, oui, je vois de quoi vous voulez parler. Ça me revient. Excellent. Alors, que dois-je dire au duc? J'ai eu de la visite, je crois. Ou alors c'était pour Sokolov. J'ai oublié les détails. Anton ne pouvait rien faire, mais j'étais sur le point de trouver un moyen de... Le moteur différentiel est doublé de cuivre, épousant la surface concave du mécanisme occipital interne. Oh mais, il se rappelle quand même des petits trucs, hein. Attendez,
ça ne me revient pas. Oh bah c'est pas mal déjà de se souvenir de ça. Les qu'on a trouvé aujourd'hui, je vais leur donner des noms. C'est une perte de temps. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire au duc Lucas? Il y a le nom dessus. Ok. Bon bah ils se sont rendus compte que bon bah le... Fallait pas qu'on puisse compter sur Jindosh dorénavant. Parce qu'il a un petit peu pété un câble. Il est devenu un petit peu, comment dire, gentiment, un petit peu mentalement déficient. Ah, voilà. Bon, là, c'est des toilettes, j'ai envie de faire un petit caca. Ici. Ah, bah d'accord, je reviens ici. Mais bravo, Snake, t'as encore retourné au même endroit que tout à l'heure. Tu fais que de tourner en rond. Tu es un con. Oui. Je m'insulte moi-même, mais c'est en même temps, c'est la vérité. J'arrive à me perdre. Je suis fou, ça n'arrive à rien. Waouh. Ça fait peur, mais c'est joli. Bon, par contre, j'en ai marre, j'entends un soldat mécanique. Il y a alors un problème de son. Parce que le soldat mécanique, on l'entend de loin, alors d'habitude, on les entend pas aussi loin, quoi. Enfin, on les entend un peu, mais faut vraiment être assez proche d'eux, quoi. Ah, ça y est, je suis dans un appartement du Cavel. Ce tableau est assez beau, mais en même temps, j'aurais mis un peu plus de couleurs. C'est mort. Mon ressenti personnel. Ah, il y a une petite baignoire d'activer. Tout le monde a besoin d'un peu de solitude. Excusez-moi, je fouille avant parce que bon, j'entends la douce voix du connard du Cavel. Je dis la douce voix parce que j'aime bien le doubleur. Parce que bon, il a fait. Oh, c'est fermé. Il a fait. C'est la combien de doublage de Dr. House. Mais en même temps, il joue un connard. Du coup, j'aime sa voix, mais en même temps, j'aime pas sa voix. C'est très chelou. Discussion d'un fond pour les mineurs. Bon, c'est Remy Stilton qui demande de l'argent pour les mineurs parce que Stilton, on a compris. C'était gentil. C'est tout ce qu'il y a ici? D'accord, il y a un lit et tout, ok. D'accord. Ceux qui évoluent autour de toi ne peuvent pas me voir. Oup. Je suis ici. Et merde. Quand tu m'appelles. C'est un fail. C'est un gros fail. Aïe aïe aïe. Ah bah j'ai même pas vu ça. Hier soir j'ai fait entrer le propriétaire des coffres forts Winslow dans l'enceinte du palais. Je l'ai escorté jusqu'à la caserne de la Grande Garde. Il a examiné le coffre du bureau du premier capitaine dont la combinaison est maintenant 705. Ok, on a une combinaison. Excusez-moi, j'avais pas vu ça, mais comment je n'ai pas vu ça. Bon, excusez-moi. On recommence du coup, on sait où on faut se diriger. On va se diriger ardemment et prudemment. Voilà. On fait gaffe cette fois-ci. Tout le monde a besoin d'un peu de solitude. Ma petite bouteille, je vais la mettre ici. Non, je voulais pas manger cette banane. Du coup, il y avait quelque chose à voler là, je sais plus la dernière fois. Ah oui, hop, ça. Là, regardez. Et ça, hop là. Bon, cette fois-ci. Ah oui, il y a du truc dans le machin. Mais regardez-moi cette vision des ténèbres aussi. On sait pas où il est. Où est-ce qu'il est, le mec? Il est là! À tes souhaits. Je suis gentil. Eh, faut se tenir dans son coude. Oh, allez, un petit câlin. Mouah. Et un petit bisou. Voilà. Du coup, je vais le cacher. Je vais le cacher dans le haut, dans le lit. Oh, moi, franchement, je suis gentil. Là, je te mets dans le lit. Viens pour. Oula. Ah, tu t'es un petit peu tapé la tête de lit, mais bon, oh, ça va. Y'a plus personne ou y'a encore des gens? Parce que je sens que je vais me faire encore avoir, moi, comme un con. Déjà, on va sauvegarder la sauvegarde de la lâcheté parce que j'ai pas envie de recommencer 30 plombes plus loin. Ça, c'est tu. Ça, alors, ça, c'est un lit rond à orgie, ça. Vu la place que c'est, vous allez pas me dire que c'est pour deux, hein. Je suis pervers, je sais ce que c'est. Hein. Et on sait que le duc Abel, il faisait des orgies. Hein, il l'a dit lors de la réunion. J'ai mangé une carotte. J'ai mangé une carotte, ça rend aimable, de toute façon. Dunwall est vraiment un endroit qui m'a réservé des fortunes. Attends, il faut que je regarde si c'est bien lui ou pas. Mon pauvre frère y a perdu la vie, mais c'est là que j'ai rencontré Delilah. Ah, bah c'est. Alors là, c'est le vrai duc Abel. Ah, c'est apparemment, ça, c'est le vrai duc Abel. Ça, pour une fois, ça a changé. Apparemment. Parce qu'il fume pas et apparemment il dit que c'est là qu'il a rencontré. Ouais. Alors lui c'est le vrai duc Abel. Mais moi je devrais du coup j'aurais trouvé la doublure avant. Bon, on rouvre ça c'est parfait. Bon alors pour une fois le jeu m'a impressionné. Alors pour l'instant parce que de toute façon je me dis que des conneries. Mais ça c'était le vrai duc Abel en haut. Ok, alors le duc Abel est dans ses appartements. Comme ça je le sais.
Du coup, on va essayer de trouver la doublure, lui parler gentiment et discrètement pour lui demander si... Oh, bah oui, c'est vrai, c'était les affaires du gars. Pour lui demander s'il ne peut pas remplacer gentiment ce crétin de duc. Parce que apparemment, rappelez-vous-en, la doublure est apparemment est gentille. Elle fait... Voilà. Alors là, ça me ramène... Ça m'amène ici. Ok. Est-ce qu'il y a des gens ici? Bon, il n'y a personne ici, putain. J'ai... Oh putain, mais il y a quelque chose là. Oui, il est beau, il est beau. Sauvegarde de la lâcheté. On va tenter, on va tenter, on va tenter. Je le tente. Yes, c'est tout en lumière, regardez, c'est tout beau. Oh, j'ai pas fait exprès, mais je suis trop balèze. J'avais tout prévu en fait. Oula. Ah oui, bah parlant d'orgie, apparemment ça s'est passé. Ils ont fait une petite fête. Pourquoi? Pour divertir une statue? Il paraît que le duc est persuadé que l'impératrice Delilah peut lui parler à travers la statue. Je m'y connais. Ah, elle est en scalp rock, oui, on sait, on connaît. Et moi, je sens plus mes doigts. Je me sens plus dans ce pays. Ah, attendez, il y a du monde. Oh, mais il y a... Oh, il y a du peuple, il y a du pognon là-dedans. Bon, je voudrais bien trouver le duc Avel, moi, sur ce coup. Le problème, c'est que... Il y a une demoiselle ici. Mademoiselle va me faire chier. La demoiselle va me faire chier. Excusez-moi, mademoiselle. Voilà, vous allez m'embêter pendant un petit moment. Soyez pas déçus, ce n'est pas une question de mérite. Le premier cercle n'est qu'un ramassis d'hommes de paix. Je vous mets là. Je suis content de ne pas en faire partie. Certes, et n'oubliez pas une chose. Quand toutes ces querelles pour le trône auront cessé, le duc devra placer des hommes à la tête des îles septentrionales. Dans un an, vous pourriez être gouverneur de Windham ou Freyport. Ou même les plus belles créatures ont la peau aussi livide qu'une larve de mouche. Et c'est à ça que sert le grand. Mais putain, il est où le duc du coup là? Attends. Là, on a vu que c'était normalement le duc. Où est-ce qu'il est le duc, la doublure alors? Là je suis perdu, c'est la première fois que, comme par hasard quand j'enregistre, ça se passe pas comme d'habitude ici. Bah où est la doublure alors? Il pourrait pas se passer quelque chose. Il peut se passer. Je demande pas un cirque. Il se peut mais juste un peu d'animation. Il peut se passer quelque chose si tu veux, mais je vais te mettre une grosse patate dans ta gueule, tu vas voir. Je cherche la doublure. Bon, écoutez, je vais peut-être couper. Je ne sais pas comment va se passer cette vidéo, mais jusqu'à que je trouve la doublure, parce que je sais pas où est-ce qu'elle est. Vraiment. Quelle bande de dégénérés. Mais bon, avant ça. Les patates! Hop là. Hop, et je le mets là. Et il y a ces demoiselles là que je peux voler. On va fouiller la dame. Voilà, déjà on fouille la dame. J'aurais pu le mettre là le mec. Oh mais il y a des pièces ici, mais qu'est-ce qu'il a laissé ces pièces? Ouh, il a du pognon lui. Hop, à moi. Allez, salut, au revoir. Ah, il y a des trucs ici. Mais qu'est-ce qui met des figues ici? What the fuck? Bon, la dame est d'or, ça c'est bon. Ah monsieur, vous avez fêté quelque chose, hein? Parce que c'est pas comme ça qu'on dort d'habitude. Je vais vous montrer. Alors attendez, je vais vous mettre sur le lit du dessus parce que je suis sûr que c'est comme ça que vous préférez le lit du dessus. Vous. Voilà. Oh putain. Bon, c'est une position pour dormir, hein, comme une autre, hein. Écoute, j'espère qu'il va pas tomber parce que sinon c'est la caca. Ça va faire mal le lendemain au réveil. Hein. Oula, des petites pièces. Putain, il y a un bruit suspect dans mes oreilles là. C'est quoi ce bruit là? Ah, bah lui aussi. Ou alors lui il s'est endormi. Oh oui, alors lui c'est un lendemain de cuite. Hein. Ça se voit ce qui s'est passé ici. Un lendemain de cuite, j'ai eu de la chance, il m'a pas entendu. Bon, lui, on va le mettre dans l'autre. Hein. Presque même position, mais un peu mieux quand même. Hein. Ah, une petite truc là, ok. Bon, alors là, ah, il y a un monsieur ici.
Oh, parfait. Bonjour, monsieur. Alors, il y a vos camarades juste à côté. Je vous explique, ils ont fait un petit peu une petite fête. Ils se sont... Regardez, voilà. Voilà, regardez comment ils sont beaux. Bah, moi, je vous mets sur le lit au-dessus aussi. Voilà, comme ça, tout le monde est sur le lit au-dessus. Il n'y a pas de jaloux. Tout le monde veut le lit du dessus. Bon, bah, voilà. Bah, du coup, ça, c'était bien vite fait, bien fait. Wouah, il y a plein de carreaux anesthésiants, plein de carreaux normaux et tout. Oh là là. Ah oui, c'est vraiment chez les gardes, là, quoi. Ok, d'accord. Et il y a un coffre ici. Alors, c'était 705, me semble-t-il, hein. Il me semble, attendez, on va vérifier ça. Allez, allez. Ce truc est vachement rapide, comme vous pouvez le remarquer. C'est ça. Putain, j'ai une mémoire pour les combinaisons, c'est chelou quand même. Oh oui, du pognon. Et une rune. Bon, j'en ai plus vraiment besoin à ce stade du jeu parce que je suis overcheaté, mais je pourrais la rajouter même. Ce qui est un peu bête parce qu'on peut rajouter les pouvoirs de l'autre personnage. Quand t'as fait une seconde fois le jeu avec les deux personnages, qui est un peu bête parce que ça t'oblige à... T'es pas vraiment obligé de choisir les personnages. Bon, à part si tu veux faire l'histoire, mais si tu t'en fous un peu de l'histoire, t'es pas vraiment obligé de choisir le personnage. Parce que si tu prends Corvo, tu peux prendre les mêmes pouvoirs que l'autre personnage. Ce qui est un peu con, ils auraient pu faire que chaque personnage que tu prends, même si t'as refait le jeu, ils ont leur pouvoir adhéré, quoi. Bon, après, c'est un truc comme une autre. Sécurité renforcée, non, sans déconner. Attends, bah, c'est un truc important. La garde a été renforcée dans les appartements du Cabel. Bon, alors ça montre que dans les appartements du Cabel, il... Inspecter les canalisations de la rive. Je peux pas lire ça. Alors, il y a un truc là, mais je peux pas le lire apparemment. Ce n'est pas important. Ok, bon, en tout cas, bon, maintenant c'est sûr. Le Ducabel est en bas, et du coup, appartement du Ducabel, Ducabel, c'est doublure, mais je n'ai toujours pas trouvé où est le doublure. J'espère qu'elle est pas morte en changeant le passé. Peut-être que je l'ai tuée. Oh bah non, ils l'ont parlé. Du coup, il l'a. C'est pas possible. A few moments later. Hop là. Il y a quelqu'un. Ouh, il m'a un peu vu. Ouh, ils m'ont tous un peu vu. Bon bah c'est pas grave. Ils m'ont vu. Ouh, ils montent là-haut. Mais ni vu ni connu. Bah vas-y. Ah, d'accord, je suis pas là. Ni vu ni connu. Je t'embrouille. Putain, mais il grimpe bien le monsieur. Ah, il m'a vu. Bon lol, il y a eu les 3 points d'exclamation. Bon, il m'a vu, c'est pas grave. En vrai, moi je dis qu'il m'a pas vu. On est tous d'accord qu'il m'a pas vu, on est tous d'accord qu'il m'a pas vu. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, du coup c'est moi qui ai raison et pas le jeu. Par contre, il y a un putain d'endroit pour les cacher là, c'est bien derrière là. Mais ça m'explique pas toujours où est-ce que la doublure. Alors là, il y a, oula, là il y a un pilote foudroyant. Et il est là pour l'éteindre. Oula. Ok. Ah, il y a une demoiselle là ici qui va m'embêter. Excusez-moi, demoiselle. Excusez-moi, je vais trépioter un petit peu vos fesses. Voilà. Excusez-moi, oui, je sais. C'est du harcèlement sexuel, mais de toute façon, je travaille pas ici. Je vais vous mettre ici, vous étiez bien. Vous allez être bien ici. C'est, justement, c'est là pour se déshabiller, tout ça. Voilà. Il y a toujours la pochetronne qui dort sur le canapé. Et là, il y a un petit charme d'os. Poumon puissant. Bon, ça, c'est pour tenir plus longtemps dans l'eau, je suis sûr. Poumon puissant, poumon puissant, poumon puissant. Vous respirez plus longtemps sous l'eau. Non, sans déconner. Là, ici. Voilà. Vous allez faire du camping à la nature sauvage. Oh, monsieur, vous aviez dit pièce d'or. Ça se voit que vous êtes un bourgeois. Un noble. Tiens, derrière l'arbre pour aller pisser. Très jolie vue, bon, faut pas regarder trop près, mais très jolie vue de Cerconos. Et il y avait un livre ici. Voilà, je vous laisse lire. Et j'ai vu qu'il y avait un passage du coup. J'ai jamais découvert, je crois, celui-là. Oh là! Mais oui, j'ai jamais découvert. Voilà, ça s'est fait. Putain, c'est la première fois que je viens ici. Allez, on utilise tous les carreaux parce qu'ils cassent les couilles, ces machins. Putain, mais c'est la première fois que je viens ici, c'est fou ça. Ou alors c'est... Bah non, ou alors c'est pas les... Ou alors c'est... Des glissades. Ou j'ai fait une glissade, j'ai pété le bois. Oh bah tiens, justement.
Oh bah, huile de baleine. Hop là. Voilà, on désactive ça en même temps. Bon, écoute, hein, en même temps. Est-ce qu'il y a des gens par là? Est-ce que je peux jeter par là? Oh oui, je vais jeter par là. Attends. Oui! Oh, la jolie vague. Si quelqu'un veut faire du surf. Bon, ça va même pas exploser. Oh bah, ça peut exploser. Oh, je suis déçu. Oh bah, je suis déçu. Mais attends, mais pourquoi c'est pas inondé? Alors, je vous explique, là, c'est censé être inondé normalement. Ou alors c'est moi qui pète un câble. Ah, voilà, c'est inondé, c'est ce que je disais. Bon, alors attendez, parce que moi je suis perdu du coup. Mais il est où la doublure? Elle est où? C'est pas possible ça. Où est la doublure? Bon, on va faire une pause pendant ce moment que je trouve la doublure du Ducabel. Celui-là, c'est pas possible. J'ai trouvé la doublure, elle est là. Et il y a un chien là. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est un chien en plus. Et là, il y a un garde. Ah oui, c'est bon, j'ai arrêté le pilote. Voilà, il y a des gens. Ah, ils sont deux. Il y a un chien et il y a des gens. Ouah, mais attendez, je suis con. J'ai le pouvoir de la possession. Merde, il est trop loin. Voilà, je vais prendre en possession de cet homme. Voilà, voilà, non, c'est pas par là que je veux que tu vas. Voilà, va par là. On va l'emmener très très loin. Voilà, juste ici. On se promène. Et on lui fait faire de dos. Juste avant qu'il vomisse. Parce qu'à mon avis, il va pas être bien dans ses baskets. Comment je suis arrivé là? D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Que fais-je? Voilà, on est. Hop, attendez. Je reprends un peu de pouvoir quand même. Alors attendez, parce que là il y a un crétin de chien à tuer. Là il y a le duc. Et si je tue le chien, j'espère que ça va pas faire flipper le duc. Au moins non, parce que c'est normal de tuer un crétin de chien. Il regarde dans la direction. Oh bah écoutez, au grand mot les grands remèdes hein. Mademoiselle, patate dans votre gueule, voilà. Joli casque, soit dit en passant. Le chien. Allez, hop. Il est mort le chien. Allez, allô. Ah mais ça fait flipper. Ah bah merde, ça l'a fait. Ou alors, non, je peux lui reparler. Ah bah merde, mais c'est chiant ça. Le mec, je veux juste lui parler. Attendez, ça se sauvegarde où? Mais j'ai fait une sauvegarde auto là, c'est bon. Ah bah merde, je suis dégoûté. Bon, si on lui parlait sans tuer le chien. Bon, j'ai fait les poches aussi, je prends la clé du coffre. Je prends son pognon. Et je lui parle. Oh, c'est bon. Ouh. Pas de baisse-main? Vous n'esquissez même pas une révérence? Je ne suis pas ce genre de visiteur. Voilà qui est étonnant. Alors très bien, allez-y. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Alors, vous allez payer pour vos crimes, vous êtes la doublure du duc. Vous êtes la doublure du duc, n'est-ce pas? Je suis ici pour l'éliminer, mais j'ai besoin de votre aide. Êtes-vous prêt à m'écouter? C'est vrai, vous m'avez démasqué. Mais si vous n'êtes pas là pour assassiner le duc, que voulez-vous? Vous feriez sans doute un bien meilleur duc que Lucas Abel. Si mon but était de le renverser sans lui arracher le cœur à vif, seriez-vous capable de convaincre le monde que vous êtes le véritable duc? Sinon, t'auras des problèmes, je le dis tout de suite. C'est une idée audacieuse qui m'a déjà traversé l'esprit, je dois l'avouer. Si les gens sont persuadés que je suis Lucas Abel et que c'est lui qui sert de doublure, nous pourrions le faire enfermer pour démence. Nous pourrions convaincre tout le monde que le sosie a fini par perdre la tête et à se prendre pour le duc, le vrai. Voilà des années que je perfectionne sans cesse mon jeu d'acteur, mais il y a un problème. Il me faut son médaillon. Même si je suis convaincant, ce que je serai assurément, les officiers de sa grande garde exigeront de le voir en guise de preuve. En même temps, vu ta tête, ne s'en sépare jamais. D'accord. Ça ne devrait pas être difficile. Dès que j'en aurai terminé ici, je partirai pour Dunwall. Et vous ferez bientôt parvenir des instructions. J'attends la plus grande coopération de votre part. Nous pouvons encore sauver Cerkonos et effacer les ravages causés par le duc Abel. C'est une idée qui me plaît, mais je compte diriger Cerkonos comme je l'entends, et pour le bien de ses habitants. Ah, bah, je ne serai c'est pas ce que la marionnette obéissante de votre empire. Si vous acceptez cette condition, amenez le duc inconscient dans ses quartiers privés, et je m'occuperai du reste. Ok, bon. Ne vous faites pas repérer, ou ça ne marchera jamais.
Le chien, il est gentil ou pas? Oula, le chien me repère quand même. Le chien, il me voit à côté. Ah! Ah! Crétin, le chien! Je peux pas le tuer en plus parce que si je le tue, le Ducabel, il panique. Mais faut que je le tue, sinon je vais avoir des problèmes avec Katz. Bon, je sauvegarde là. Et ce voilà, ça va sauvegarder. Est-ce que je peux le tuer sans qu'il voie aussi? C'est ça le souci. Je veux tuer le chien, je veux pas le savoir. Bon, attends déjà, parce que cette demoiselle, faut que je la cache. Hop, on va la cacher ici avec son autre copain. Hein. Ah, il est là, pardon. Putain, je t'avais pas vu, je t'ai marché dessus, excuse-moi. J'espère que je t'ai pas marché sur la main. Il est où le chien? Il est là, le chien! Crétin de chien! Ça va? Pas paniqué? Non, c'est bon, il est pas paniqué que j'ai tué son chien. Bon, c'est pas vraiment son chien. Je sais pas pourquoi tu prends en photo un putain de molosse. Hein. Allez, du coup, j'ai dit à la flotte le molosse. Voilà, allez! Crétin de chien! Bon, attendez, je vais quand même vérifier si j'ai pas fait paniquer la doublure. On sait jamais. En tout cas, j'ai trouvé la doublure. Ah, c'est bien, ça a changé aléatoirement, je suis content. Si vous aviez tué Lucas, je suis sûr que la Grande Garde m'aurait répondu haut et court. Ah ouais, d'accord. Bon, heureusement que je l'ai pas tué. Heureusement que je suis un gentil, hein. Bon, du coup, on peut aller au... Putain, il a pas de pognon, je suis... Ah si, quoi que... Il était une fois un homme de la ville qui avait la plus petite des anguilles. Oh, c'est méchant ça, monsieur! Parlez pas à votre zizi comme ça, tout le monde! Oh, oh là là, monsieur, il parle de ce... Et déjà, c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Oups, je suis tombé. Ça va, il est pas mort. Je suis tombé avec le cadavre. Enfin, le cadavre, c'était pas un cadavre, c'était un mec inconscient. Oh putain, j'ai eu peur qu'il y en ait un qui était mort. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh, il y a un monsieur, il parle comme ça de son zizi à tout le monde. Attendez, parce que c'est pas par là qu'il faut que j'aille, c'est par là. Voilà, je retournerai ici plus tard. Hop là, on va maintenant mettre KO le duc Lucas Bell et utiliser le plan ingénieux de ça. Mais nous ici. Ah oui, c'est là que la poivronne est d'or. Le plan ingénieux de la doublure. Bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de soldats mécaniques quand même pour le duc. Il n'est pas vraiment bien gardé, j'ai envie de dire. Bon, il y a quelques gardes. Les amis du duc ont la belle vie. Ah oui, on voit ça. Alors attendez, est-ce qu'il y a un garde là? Ah, mais il y a un garde là, heureusement que je l'ai vu, hein. La vision des ténèbres, là, ça me l'a pas montré, ça. Oh, ils me font tous chier, hein. Bouge à toi. Allez, à patate. Ça, c'est fait. Voilà. Toi, hop. Voilà. Et lui là-bas aussi, je t'ai vu. Voilà. Ah non, parce qu'à un moment, hein, ils cassent les couilles, les gens. Il y a trop de monde, il y a trop de peuple. Voilà. Au moins, comme ça, tous ces gardes ont été KO. Par contre, bon, il faut que j'en garde un petit peu parce qu'il y en a qu'il faut qu'ils arrêtent le duc. Le méchant, hein, je parle du méchant du Cabel, comme on va le remplacer. Il y a un mot là ou c'est moi? Appartement du duc, je voulais vous juste conseiller à tout le monde d'éviter les appartements du duc aujourd'hui, dont l'ensemble du troisième étage sont immenses et du numéro 50. Laissez-les tranquilles, n'utilisez pas l'ascenseur. Ok, une indice de plus qu'il y avait ici. Et ici, il y a personne. Normalement, il y a personne. Du coup, hop, c'est bon, c'est parfait. Oh, mais attendez, je peux monter sur la statue de la tortue comme une certaine sorcière qui s'était après fait Mikao et s'est cassé la gueule. Rappelez-vous-en dans un certain épisode. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne ici. Ouais, attendez. Oh non, j'avais déjà lu ça. Hop. Et glissade! Hop. Bon, c'est bien, en tout cas, là j'avais déjà mis tout le monde KO. T'as ce signe au milieu de tout le monde qui voit rien. Je n'étais qu'un enfant quand je l'ai rencontré. C'est bien, heureusement qu'il parle tout seul. C'est grâce à ça que j'ai découvert que c'était. Voilà. Ah, attendez, parce que moi j'ai envie de la. Oh, j'ai envie de lui mettre une grosse patate. Oh, j'ai envie de lui mettre une grosse patate. Oh, je vais lui mettre une grosse patate.
Oh, il mérite une grosse patate, les gens. Mais il faut qu'il soit face à moi. Voilà, je peux déjà le voler. Hop. On lui vole, on lui fait les poches. Qu'elle ouvre la chambre forte du duc. Ah bah j'ai les clés du chambre forte. Je vole son argent, bien évidemment. Oh, je peux lui parler aussi. Pas de baisement, vous n'esquissez même pas une révérence. Je ne suis pas ce genre de visiteur. Voilà qui est étonnant. Alors, bon, allez, on va le confronter carrément. On va se faire opérer, mais on va le confronter. Que voulez-vous ? Vous allez payer pour vos crimes, sale traître ! Lucas, j'ai connu votre père, et je sais qu'il approuverait ce que je m'apprête à faire. Vous avez commis un crime impardonnable envers l'impératrice légitime. La petite Émilie. Je puis vous assurer... Émilie la sage. Qu'il n'y a qu'une seule impératrice légitime dans mon cœur, et son nom est Delilah. Ouais, bah ça c'est déjà un crime, connard ! Oh, la patate ! Tu t'as pas eu le temps de réagir, ça, hein, mon gars ! Ouais, yes. Emmener Lulu dans ses appartements. Et voilà qui... Oh, yes, yes, yes. Carrément, vous avez vu ça, il a même pas eu le temps de réagir. Bon, tiens, regarde, un petit audiographe pour l'entendre quand une dernière fois. J'ai rencontré mon premier cercle pour la première fois. Ah, j'ai vu des visages nerveux. C'est ça. Même les moins impressionnables avec eux. Ah ouais. C'est 8 ans sur 20. Même mon neveu, je suis sûr, il fait mieux que ça. Quand je n'étais encore qu'un enfant. Mais même après sa disparition dans les... Excusez-moi, je vous laisse dire les trucs et en même temps j'écoute. Son souvenir ne m'a jamais quitté. Oui, joli tableau d'Adémir quand même. Où j'ai entendu sa voix. Ou non, ou... Ah non, c'est pas Adémir. Elle m'adressait depuis le grand vide. Elle m'a raconté l'histoire de son enfance à Dunwall Tower. De sa demi-sœur. Peut-être toujours des gens qui sont sur le haut du toit. Elle m'a également parlé d'un moyen de la ramener parmi nous. Delilah, belle, immortelle. Belle. Ouais, ben, chacun ses goûts. Hein. J'ai envie de te dire. Ah bah, parlons Delilah de la sorcière. Copperspoon. Merci Corvo, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, ton dialogue était vachement intéressant. Heureusement que tu es là, Corvo, heureusement que tu parles. Oups, oh pardon, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. C'est vrai que j'ai pas fait exprès, mais je m'en fous, tu t'es bien tapé. Oh bah tiens, à moi l'œuf. Y'a plus rien à voler ici. J'ai tout volé. Et ça, le livre, j'ai lu. Ok, bon, c'est bon. On va le mettre. Hop là. Oh oui, sur son. Sur sa son petit lit d'orgie là. Voilà, on le board. Oh putain, t'es venu vite quand même. La doublure. T'as ce cigare. Les dés sont jetés. C'est à moi maintenant. Je vais prendre le médaillon et appeler ma suite. Je garderai un œil sur vous. Bonne chance. Ne vous en faites pas. Cela fait des années que j'observe ce salopard. Bon, par contre, tu comprendras qu'avec ta gueule et ta voix, je vais pas te faire beaucoup confiance quand même. Capitaine, venez immédiatement dans mes quartiers. Il y a un problème. Vite, cachez-vous là. Tu pourrais me le dire avant d'appuyer. Tu pourrais dire, cachez-vous, je vais appeler la garde. Cachez-vous là. Je suis dans un buisson. Je suis en Fortnite. Votre éminence, tout va bien ? Oui, oui, capitaine. Veuillez arrêter ce sinistre bouffon. Il semble avoir pris son rôle un peu trop à cœur. Oh, c'est drôle ça, par contre, j'adore. Il m'a servi j'adore le revoir. Pendant toutes ces années. Nous ne trouverons jamais une autre doublure aussi ressemblante. Emmenez-le, capitaine, mais ne soyez pas trop dur. Je crois comprendre. Comptez sur nous, votre éminence. Comment ? C'est un scandale. Je vous ferai tous écorcher vite et plonger dans un bain de sel. Un bain de sel ? Si seulement nous pouvions l'aider. Toutes ces années passées à prendre ma place ont dû le pousser lentement vers la folie. Non, arrêtez ! Je suis le duc de Cerconos, vous ne pouvez pas faire ça. Le docteur Hypatia a derrière. Ta saura sûrement quoi faire. Le docteur Hypatia, ouais, ils en parlent d'elle en plus. Et voilà, ça c'est fait. Allez, le duc. Allez, en prison, à manger du pain et de l'eau. Allez, je suis même pas sûr de lui donner du pain. Ouais, c'est une vengeance. Vengeance, ça y est, accompli, cette vengeance est accomplie. Bon, par contre, attention, faisons gaffe parce que quand même, il y a des gardes qui sont arrivés. C'est bon, ils sont partis. Ils vont pas revenir. Je ne réalise pas encore vraiment. C'est incroyable.
C'est tout ce que t'as à dire? Oh, attends, j'ai peut-être des infos sur toi. La lecture de cette paperasse lui fatigue les yeux. Mais il ne manque pas une seule ligne. Ah. Il y a un garde. Quand il aura fini sa tâche, il s'attendra à un moment de détente au balcon. Un cigare à la bouche. Il y avait une femme dans sa vie, à une époque. Mais elle était considérée comme un risque potentiel. Et il ne l'a plus jamais revue. Oh, c'est dommage. Paf! En tout cas, on a vu qu'il était... Attends, j'ai arrêté le temps parce qu'il... Est-ce qu'il y a d'autres gens? Et voilà! Je savais bien qu'il y avait d'autres gardes. Ça me paraît assez bizarre. Mais non, je voulais ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Ah! Je rêve. Mais d'accord. Ah! Ah, il y a trop de monde au secours! J'ai fait le con, là. J'ai fait le con. Mais putain, mais je me suis dit qu'il y avait du monde, mais pas à ce point-là. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Oh putain, sauvegarde auto là, heureusement. Ok. En tout cas, on a réussi à se venger du Ducamel. Ça y est, mesdames et messieurs. Plus qu'à prendre l'âme de Dila. Oh putain, ouais, faut que j'arrête là. Ça va faire trop long. Ça va faire une vidéo trop longue. J'aurais bien voulu enchaîner le Ducamel et l'âme de Dila. Mais là, le jeu m'a surpris. Il a bien fait le truc aléatoire, comme je l'avais dit. Là, il l'a pas fait comme l'habitude. Parce que la deuxième fois que j'ai fait le jeu, à chaque fois, la doublure était dans la chambre. Et le Ducamel était en bas sur son trône là, qu'on avait vu que j'avais pris un charme d'ossé. Là ça a complètement changé, du coup c'est ça qui m'a fait perdre du temps. Je m'en excuse. Et du coup c'est magnifique. Alors attendez, parce que je voudrais quand même mettre ces gardes KO. KO. Alors du coup il y avait un garde qui arrivait ici. On a pris les infos sur le Ducamel. Allez là, normalement il y a un garde qui arrive, on l'a vu tout de suite. Ou alors ils m'ont entendu. Bon, à part. Ah, c'est quoi ce bruit? Ah, d'accord. Oui, il y a du monde. Il y a du monde. Mais oui, il y a du monde. Patate, excusez-moi, mademoiselle. Voilà, ça s'est fait. What? D'accord, il m'a vu. D'accord. George a arrêté le temps, mais il m'a quand même vu. Ah mais putain, mais ils sont tous ici en fait. C'est pour ça qu'ils sont repérés. Est-ce qu'ils ont... Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Attends, mais deux secondes. Pourquoi? Ah d'accord, parce qu'en fait ils mettent le corps du Ducamel ici. Ah je viens de comprendre. C'est pour ça que tout le monde est en... ils sont complètement dingues. Parce qu'en fait ils ont vu le corps que j'ai mis du garde quand ils ont mis le Ducamel dans son lit. Et du coup ils se sont dit, ah là, c'est pas normal, il y a quelqu'un qui est mis KO là. Bon par contre ils sont sympathiques parce que ils laissent quand même leur pote garde dormir dans le lit quand même. Ils se sont dit, bon, il y a quand même, on repérait quelqu'un, mais on va pas réveiller le garde. Ils sont gentils, ils respectent le sommeil des autres. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Voilà. Un petit câlin. Voilà. Un deuxième petit câlin. À la queue leu, on enchaîne. Et une patate pour finir. Voilà. Et tout le monde dans le lit. Voilà, bah. Vous vouliez une orgie? Vous vouliez une orgie? Oh putain, par contre, comment ils l'ont positionné, le mec. Les gars, comment ils l'ont positionné? Voilà, il voulait une orgie. Le Ducamel connaît les orgies. Et bah là, il aura une belle orgie. Hein. Oulala. Oulala, il y a du. Oh putain, oh oui, la position. Bon, par contre, madame, bon, normalement c'est monsieur sur madame, mais bon, écoutez, peut-être que madame est un monsieur, on ne sait pas, elle fait ce qu'elle veut de toute façon. Chacun fait ce qu'il veut. Je voulais juste des infos. Il ne tient vraiment pas de son père. Bah non, c'est tout. C'est tout ce que tu me racontes? Non, sans déconner, j'ai sa mine. Tu m'en. Oh là là, franchement, je suis étonné de ce que tu me racontes là. Oh putain. Une autre réunion interminable. Des complaintes incessantes des mineurs à propos des conditions de travail. Il est glauque ce tabou. Il signe les papiers pour en finir au plus vite et regarde en peine. Sa main souffle de scandale à force d'écrire. Ah, le mec, en fait, il est complètement le contraire de sa doublure. Hein. Sa doublure, elle lit tous les papiers, même sans fatiguer les yeux, mais il lit tous les papiers, lui, il s'en fout, il signe et tout, il s'en bat les steaks. Ok, bon, on a compris que c'était un piètre souverain, hein. On a compris. De toute façon, la meilleure. Oh là, j'avais pas vu ça. La meilleure, c'est quand même. La petite Amy. Émilie la sage. Bon bah voilà, écoutez, ben voilà, bah voilà, on va les laisser se réveiller doucement, voilà, et sûrement dans ce. Dans cette orgie la plus totale. J'ai envie de faire une grosse miniature putaclic. L'orgie de Dishonored.
Allez, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. Et on se retrouve pour un prochain épisode sur Dishonored 2. Cette fois-ci, on va prendre l'âme de Delilah. Je sais pas si je vais prendre les charmes d'os. Bon, peut-être que je récupérerai les charmes d'os en off. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien!